C'est un feuilleton culte des années 60 diffusé à l'époque sur l'ORTF, L'Homme du Picardie. Tout le monde se souvient de cette série. Le comédien principal, Christian Barbier, est mort en 2009, mais la péniche, elle, existe toujours et près de 41 ans après la première diffusion, la série à succès est encore dans toutes les têtes, notamment celle des mariniers. C'est le grand format que nous avons choisi de vous rediffuser cette semaine. Il est préparé par Dominique Patinec, Jean-Louis Crossi et Patricia Mock. Regardez. À Gravelines, tout le monde connaît la péniche, cette boîte de nuit aménagée dans un bateau. Mais les danseurs qui se pressent sur sa piste ont-ils jamais entendu parler de l'homme du Picardie? Car la péniche a connu plusieurs vies. Picardie fut son nom le temps d'un feuilleton. Ce bateau qui descend la Marne, c'est le Picardie. Un automoteur de 38 mètres. Le capitaine se nomme Joseph Durtol. Ses parents étaient mariniers. Il est marinier. Le Picardie, c'est son bateau. Thérèse Durtol, née Timmermans, fille de marinier belge. Elle est la femme du capitaine et aussi son matelot. 1968. Première diffusion à la télévision. La France se passionne pour la famille Durtol. Thérèse et Joseph, les parents. Yvette et Julien, leurs enfants. Julien, rôle marquant pour Pierre Santini. J'ai fait beaucoup de séries et feuilletons dans ma vie. Hein. Mais l'homme du Picardie, c'est ce qui revient tout le temps. Oh, le Picardie. Bon. Alors, aujourd'hui, ils ont du mal à imaginer que j'étais le fils de 25 ans. Mais beaucoup de gens me disent « Oh, mais vous pouvez pas savoir. » Mais on courait pour arriver à 8h-20 pour voir le feuilleton avant le journal télévisé. Toute ta famille s'arrêtait de vivre pendant un quart d'heure pour voir l'épisode de l'homme du Picardie. Les humoristes d'aujourd'hui brocardent une épopée immobile. Un feuilleton dans lequel il ne se passe rien. Ils devraient réviser leur classique. Nos mariniers vivent moult déboires. Et de ces déboires, Christian Barbier est le premier responsable. L'homme du Picardie est un tyran. Comme dans des ordres, maintenant. C'est ce qu'on va voir. Jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui commande ici. Et pour commencer, tiens, tu vas me faire le plaisir de ramener cette fille où tu l'as prise. Parce que ton mariage, on en reparlera ou on n'en reparlera pas. Mais il n'est pas question que je te donne mon consentement. Il est bougon, il est tyran domestique, il est macho, il a tous les livres. C'est pas un héros positif, mais peut-être que dans la vraie vie, les héros positifs, ils sont rares aussi. Hein. Les Durtol, ça fait 100 ans et plus qu'il y en a qui courent les rivières. Jusqu'à mon père, ils ne savaient pas écrire leur nom, ils signaient d'une croix. Ils ne savaient pas écrire, mais ils étaient libres. Personne n'a jamais commandé un Durtol. C'est une sorte de présence comme ça, évidente. Il y a des comédiens comme ça. Quoi. Et Christian, il avait ce poids-là, je crois. C'est en plus un homme délicieux. Cette présence, les mariniers eux-mêmes la saluent. L'homme du Picardie fait partie du patrimoine à Longueuil-Annel. Quelques séquences ont été tournées au cœur de la cité des Bateliers. Oui, on salue Barbier, le comédien, mais Durtol, lui, ne remporte pas tous les suffrages. Christian Barbier jouait très très bien le rôle du marinier, mais on était mal représenté. Parce qu'on représentait toujours le marinier mal rasé, et puis il avait un collègue qui buvait le coup, tout ça. Hein. Et ça, on n'appréciait pas. Même encore maintenant, on l'apprécie pas. Mon père, par exemple, il n'aurait jamais mis en route le matin sans être lavé et rasé. Il portait même la cravate, mon père. Quant au talent de barreur de l'homme du Picardie, il est temps de révéler la vérité. Alors, le petit secret, c'est quand il était à la barre, ceux qui regardaient le film, ils croyaient que c'était lui qui conduisait le bateau. En réalité, c'était pas lui. Hein. Il était conduit par quelqu'un de ma famille, que c'était le propriétaire du bateau d'ailleurs. Il était planqué dans une cage et conduisait avec un servomoteur. Nos mariniers sont redoutables. Ils connaissent les canaux de France par cœur et ont vite fait de repérer toutes les astuces de montage. La péniche de Durtol s'égare parfois, c'est la magie de la télévision. Péché vite pardonné, les auteurs de L'Homme du Picardie ont compris l'essence du métier, un métier fait de solidarité.
nettoyer, oui. Ben, on a passé en travers. Ça va ? Après, c'est tellement gros qu'on a dû retravailler. C'est une corporation qu'on est très solidaire. S'il y a un bateau qui a un avarie ou quelque chose, le premier qui passe, il s'arrête. Ça, il n'y a pas de problème. En travaillant toujours ensemble, ouais, toujours ensemble. C'est une fusion, quoi. C'est une façon de se dire, parce qu'on travaillait autant que l'homme. Hein. Et quelquefois plus, parce que non seulement qu'il y avait les enfants ou les choses comme ça à s'occuper, le ménage, l'approvisionnement et tout. Et en plus, on donnait la main au... Tout était manuel à cette époque-là. Le métier était difficile en 1968. Il l'est encore plus aujourd'hui. Les mariniers peinent à gagner leur vie. Calme plat sur la Seine, ce baigneur ne sera pas dérangé par les péniches, de plus en plus rares. Le monde change, et les familles avec lui. Jean-Paul Tribou sourit au souvenir de ses enfants sages que lui et ses camarades devaient camper. C'est parce que je voulais en être sûre. René, qu'est-ce que tu dirais si je venais vivre avec toi ? Avec moi ? Oui, tous les deux. Comment ça, vivre avec moi ? Mais oui, à l'hôtel, chez toi, n'importe où, comme tu voudras. Chez moi, tu te rends pas compte, il y a tes parents d'abord, qu'est-ce qu'ils diraient, hein ? Ça m'est égal. Non, faut pas dire ça, Les parents, c'est important, c'est quand même les parents. Mais vous repartirez avec le bateau, moi je veux pas te quitter. C'est vrai que Jacques Herteau, le réalisateur, était un personnage contradictoire. Parce que il avait une vraie modernité dans ce qu'il faisait, d'une manière semi-inconsciente, et en même temps, idéologiquement, c'était pas l'extrême-gauche. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était conservateur, voire parfois réactionnaire. Il filmait la fiction comme la réalité. Et il voulait que la fiction ressemble plus à la réalité que la réalité elle-même. Et avec les comédiens, il était comme ça. Quand un comédien, tout d'un coup, parlait pas tout à fait juste, tout n'était pas naturel, il piquait des cris, il prenait la casquette, il la foutait par terre, il la piétinait, il la mangeait, je sais pas ce qu'il faisait. Mais ça le mettait dans un état invraisemblable, parce que pour lui, c'était plus la vie. Je rêvais d'être acteur. J'aurais vendu mon âme pour une figuration dans un vrai théâtre. Mais mon père m'a dit, tu seras professeur. Et je n'ai pas osé lui répondre. Il était immense et brutal. Non, ma seule révolte fut de choisir la langue anglaise comme discipline. Encore un baiser. Théâtre, télévision, cinéma, Pierre Santini a endossé de nombreux rôles. Mais l'homme du Picardie occupe une place à part dans sa mémoire. A posteriori, c'est important pour moi parce que c'est un peu le rêve de l'acteur aussi de laisser dans la mémoire affective des gens, dans la mémoire sensorielle des gens, dans leur simple mémoire intellectuelle, de laisser une trace. Cette trace, les comédiens d'aujourd'hui auront bien du mal à la laisser. Ça n'est pas une question de talent, simplement la télévision, cette étrange lucarne, est devenue un objet banal, loin du frisson procuré en 68 lorsque retentissait la musique.